Eh bien, salut les gamers, c'est Graphique. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Obscure Clan. J'espère aujourd'hui que vous allez être nombreux à me bombarder la barre des likes et la barre des commentaires, les amis. On va plutôt parler d'espace commentaire pour être plus précis. J'espère que vous serez mais vraiment extrêmement nombreux à m'exploser tout ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs raisons qui font que je vous le demande. Premièrement, un gros gameplay qui déboîte le père Fouras, le petit chaperon rouge et tout le barouf. Nous avons une nucléaire avec plus de 41 gun streak en liaison satellite, les amis, qui a été réalisé par Centic. Je veux vraiment que vous le félicitiez, c'est la première raison déjà. Il a réalisé sur la map Fringe. Voilà, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ça a été réalisé à la Kuda, voilà, petite mitraillette qui fait plaisir. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à liker déjà pour le gameplay. Voilà, déjà on part avec une base d'un like logiquement si tu as suivi jusqu'ici. Un deuxième like, ou alors on passe au niveau du commentaire si tu as apprécié la miniature. Si la miniature t'a plu, parce que le Miniamaker qui a fait ça n'est jamais remercié, j'espère aujourd'hui que tu vas être ici là pour remercier vraiment son travail qu'il a réalisé pour attirer tes beaux yeux, pour voilà, t'omnibuler, pour cliquer sur cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire pour lui. Et après, pour le commentary, tu mets ce que tu veux. Soit tu fais un don, c'est le plus important ça. Tu peux faire un gros don, un gros chèque à Furox ou à moi-même, ou à qui tu veux. Voilà, ça sera la récompense. Donc moi, je vais pas tarder plus que ça avec les likes, les commentaires et tout le barouf. On va enchaîner tout de suite dans le commentary. Le commentary que j'ai choisi aujourd'hui à vous proposer, c'est: louer vos jeux est-il avantageux? Voilà, je vous ai fait un petit rime les amis, mais ça on le dit pas, on le garde pour nous, parce que le petit rime, franchement, il fait plaisir. Alors, les jeux vidéo, comme vous le savez tous, puisque nous sommes tous gamers logiquement, ou tous à peu près gamers, ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne sont pas gamers, eh ben je vais vous apprendre peut-être quelque chose, que les jeux vidéo c'est un loisir qui n'est pas toujours facile à financer, parce que quand vous avez un jeu que vous attendez qui coûte plus de 50 boules, eh ben à vrai dire ça fait 50 boules en moins pour le reste. Donc franchement c'est assez cher pour après on se fait plaisir, on le rentabilise le jeu, hein. Enfin au moins pour moi, vu le temps que j'y passe, je vous le rentabilise en deux jours. Il est rentabilisé le jeu, 70 euros effectués sur le jeu quoi. Donc voilà, là dessus on est d'accord. Et bah, il y a des entreprises qui ont très bien capté le système et qui ont créé un concept très simple, un concept de location de jeux vidéo. Le concept est très simple, vous avez un large choix de jeux vidéo sur une plateforme et vous allez pouvoir les choisir. On va prendre un exemple très simple, le dernier Black Ops 3. Donc vous êtes un passionné de la campagne, vous adorez faire ça, mais alors le multi et le zombie vous n'en avez rien à battre. Vous adorez Far Cry, vous en avez rien à battre de la coop où vous pouvez jouer en multijoueur et passer des heures avec vos amis et vous éclater. Non, toi tu t'en fous complètement. Ton but c'est de finir le jeu. L'Assassin's Creed, tu veux le plier en deux secondes. J'ai failli faire un jeu de mots, plier, templier, on y était presque, mais voilà, hein. On va continuer dans le sujet. Voilà, franchement, t'es la personne qui va essayer de finir l'histoire et après le jeu, tu t'en fous, il est rangé dans ton placard au calmus. Voilà, là-dessus, c'est une personne comme ça qui peut utiliser ce concept-là. Comme ça, on met les choses au clair. Il y a un type précis de personnes qui peuvent l'utiliser, à moins que tu sois complètement taré et que tu veuilles te ruiner, parce que quand tu vas voir les prix, c'est pas que c'est un peu cher, mais voilà, quand même, hein. Après ça peut se rentabiliser en fonction du type de joueur que vous êtes. Donc eh bien vous avez terminé votre campagne, votre jeu ou tout ce que vous voulez, eh bien vous pouvez changer le jeu parmi ceux qui sont encore disponibles. Alors le système on l'a testé avec Gamecage, donc un site qui vous propose ce système. Ça a peut-être évolué entre temps parce que depuis que j'ai pris mes chiffres, voilà, ça a peut-être un peu bougé. Vous avez 35 euros d'inscription, puis vous avez une formule à choisir qui varie entre 50 et 70 euros par mois bien entendu. Donc voilà, tous les mois tu vas raquer 50 ou 70 euros en fonction de la formule que tu choisis, et chacune de ces formules a un avantage différent, c'est-à-dire un avantage qui vous permet de garder un ou deux jeux tout au plus. Alors, au niveau des termes assez compliqués, ça sera expliqué normalement sur le site, ou également vous pourrez demander à vos parents pour plus de précision, hein, parce que voilà, hein. On sait jamais, il y a peut-être des gens qui ont un peu de mal à comprendre, comme moi certainement, parce qu'il y a des mots que je ne comprends pas dans ce que je dis. Mais voilà, simplement pour de vrai, voilà, vous n'avez pas de caution, pas d'engagement, seulement un mois de préavis en cas de résiliation. Voilà, c'est ça les termes peut-être les plus compliqués du système. Alors le concept il repose par la poste, voilà, c'est vraiment très simple, concept très simple à comprendre, par la poste. Alors pourquoi par la poste? Je pense à tous les feignants qui vont être super contents. Le jeu vous est carrément livré sous 48 heures dans votre boîte aux lettres, qui est logiquement à 2 mètres de votre maison, à moins que vous l'ayez installé chez le voisin, mais je ne comprendrai pas votre logique du tout. Vous avez juste à bouger de votre écran de PC, de votre écran de Play, de votre écran d'Xbox, de tout ce que vous voulez, de votre écran de DS ou je ne sais quel bordel. Vous avez juste à vous déplacer jusqu'à votre boîte aux lettres et aller checker le jeu qui est dans votre boîte aux lettres, enveloppé avec une enveloppe préalablement affranchie pour le retour. Alors préalablement affranchie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a été déjà cachetée, tout ça, tout payé, comme ça vous n'avez pas de frais
supplémentaires à faire. Là-dessus, c'est pas mal. Après, par contre, on a trouvé le petit point faible, c'est un manque de stock. C'est-à-dire que, mal ou non, voilà, tu veux Black Ops 3 sa sortie, il va y avoir énormément de demandes, et bah tu n'es pas sûr de l'avoir le jour J, parce qu'il y aura eu énormément de demandes précédemment, ce qui va faire, voilà, que le jeu ne pourra pas être arrivé en temps et en heure par manque de disponibilité. Donc voilà, j'espère avoir tout expliqué correctement. N'hésitez pas à faire le petit commentaire, voilà, on répète, hein, on radote, on est vieux. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu. Si mon commentaire vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez des trucs qu'il faut que j'améliore, n'hésitez pas à me le dire, ça peut toujours me servir. Voilà, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne dans la description, la chaîne du player, tout simplement, qu'est-ce que je vais dire. Voilà, la chaîne du player, n'hésitez pas à le féliciter également. Moi, je vous dis ciao tout le monde, les amis.